Good morgen, allez, id en effusre aujourd'hui le nishmat Richard Ben Fortune Mazal, Claude Israq Ben Fortune Mazal, Dan Miriam, Batelisa Sayak. Si vous souhaitez aussi d'idées de prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sikhatsuka, Perek Bet, Mishnah Gimel. Ha osé soukato berosh ha agala ou berosh ha sfina, kshira ve olinla be yom tov. Berosh ha ilan ou al gabe gamal, kshira ve en olinla be yom tov. Shtaim ba ilan ve achat bidei adam. Ou shtaim bidei adam ve achat ba ilan, kshira ve en olinla be yom tov. Shalosh bidei adam ve'achat ba'ilan k'sheira ve'olin la b'yom tov. Ze haklal kol shenita la'ilan v'yechola la'amod bifnei atzma k'sheira ve'olin la b'yom tov. On continue à découvrir les conditions requises pour valider une souka, avec à présent des soukas ambulantes. Aosé soukato berosh ha'agala, celui qui va faire une souka sur la calèche, alors je ne sais pas exactement si... Le toit de la calèche, ouais, imaginez. Il enlève le toit de la calèche et puis il met là-bas du srar kacher. Il a déjà les murs qui sont là, c'est parfait. Et on parle que la calèche n'est pas rattachée aux chevaux. D'accord? Si ça rattache aux chevaux, ce sera comme le cas de la suite de la Mishnah. Il y aura une petite nuance. Pour le moment, on parle donc qu'il a juste une calèche, il a les roues. Le seul truc, c'est que là, c'est une souka ambulante. Ça veut dire, il y a des roues, on la rattache facilement à des animaux, elle peut se déplacer. Est-ce que c'est kacher ou c'est permis, ou ça sourd, alors je me dis ça marche. Aussi pour Oberosh Asuna Silame sur la, alors la tête du bateau, je ne sais pas exactement si c'est le devant du bateau. Alors la Mishnah me dit qu'elle est la Souka Lekshera. Tu l'as construit sur un bateau, tu l'as. Même le principe il est même si c'est ambulant, même si ça bouge, malgré tout, c'est mobile. C'est kasher. Les Souka Chabad qui font avec la petite caravane là, et ça bon, ça marche. Et même mieux que ça, la Mishnah me dit, Olin la Yom Tov, tu peux même monter dessus à Yom Tov. On parle que le bateau, il est fixé, il est rattaché, il ne va pas, d'accord? Ou bien tu étais déjà en mer pendant l'entrée de Yom Tov, c'est encore une autre histoire. Mais on n'a pas le droit de voguer sur un bateau pendant Yom Tov, de monter dedans pour voguer. Donc on parle qu'on aura le droit de rentrer dedans pendant Yom Tov. Si par exemple le bateau, il est pour le moment, il est attaché, alors tu pourras même monter dedans pendant Yom Tov. C'est un peu inutile de le préciser, mais on l'a dit par rapport à la suite de la Mishnah que justement. Berosh Ha'ilan, c'est la construction d'une souka en haut de l'arbre, Tom Sawyer, si vous vous rappelez, au Al-Gabe Gamal, ou bien sur un chameau. Soit, il a construit une cabane sur un arbre, il faut grimper sur l'arbre, là-bas il a mis un parterre, il a fait monter des murs, il a mis un srar, mais elle est au-dessus de l'arbre, ou bien elle est, idem aussi, sur un chameau. Alors la Mishnah nous dit que ta souka elle est kshera, mais seulement t'as un problème que ve'en olinla be'yom tov. On ne pourra pas monter dedans pendant yom tov parce que défendu de monter sur un arbre ou sur un animal pendant Shabbat et pendant yom tov. Et une xéra, deux xéros différentes, et une xéra de Rabbanan, de ne pas se servir d'arbre, toujours c'est de peur qu'on va venir à arracher une branche. Du coup, tout est formellement interdit. On avait déjà dans les 5 minutes, il y a quelques mois, on avait parlé de quelques halakhot originales. Suite à ça, quelqu'un qui a son chapeau qui s'envole, qui se fixe sur un arbre, c'est pas évident d'aller le chercher. C'est toute une histoire. D'accord? On n'a pas le droit de se servir, de monter sur un arbre, on n'a pas le droit de faire bouger les branches d'un arbre. Et donc, selon ce principe, on n'a pas le droit de monter sur l'arbre, on n'a pas le droit non plus de monter sur l'animal pendant Shabbat ou Yom Tov. D'accord? Mais la souka, elle reste kshera pour le jour de Chol HaMoed. Sujet ressemblant. Shtaim Bailan ve'achat bidei Adam. Je traduis d'abord deux sur l'arbre et un par les hommes. Ou bien Shtaim bidei Adam ve'achat Bailan. Deux par les hommes et une dans l'arbre. Kshera, la souka le kshera. Mais ve'en olinla be'yom tov. On ne montera pas dedans pendant Yom Tov. De quoi on parle? On parle en fait, le Bartana explique comme ça, qu'il a construit un sol. D'accord, il a pris des bois pour que ce soit le sol, le parterre de Zasuka. Et puis, c'est fréquent en Israël, si vous prenez dans Mea Shearim, ils ont des solutions pour faire les soukottes. Ils n'ont pas tous des balcons chez eux qui sont aptes pour faire la souka. Dans la rue, c'est pas toujours pratique. Ils vont vous faire sortir des poteaux en fer qui vont mettre comme ça dessus avec des planches de bois. Ils disent que c'est assez quand même c'est assez solide. Tous les ans, il y a quand même un problème au moins dans une de ces soukottes, mais bon, d'accord. Il y a donc, ils font sortir, ils vont ouvrir le salon, hop, on a accroché un petit balcon provisoire, donc. Mais quoi, pour l'accrocher de l'autre, pour le soutenir de l'autre côté,
Au lieu d'apporter un nouveau bâton de bois, il a soutenu avec l'arbre. Il y avait un arbre en face de chez lui. Alors la Mishnah me dit, tu sais quoi, regarde, tu as besoin de quatre piliers. Donc, parmi les trois piliers, c'est impératif pour que... Trois piliers doivent nécessairement... Je dis le principe, comme ça, on va lire, ça ira vite. Trois piliers doivent nécessairement ne pas être des arbres si tu veux monter, donc rentrer dans ta soukha pendant Yom Tov. Mais si toutefois, il y a deux piliers même, en tout cas, si tu as... Ouais, plus précisément, en réalité, avec trois piliers, ça peut tenir. C'est le principe. Trois piliers, ça peut tenir. La Mishnah me dit, il faut que tes trois piliers, ils soient nécessairement avec quelque chose qui soit coupé du sol. Parce que si tu le soutiens avec un arbre, alors, puisque si tu enlevais l'arbre, ta soukha s'effondrait. Alors, elle est soutenue dans l'arbre. Quand tu montes dans ta soukha, ça s'appelle que tu montes dans l'arbre. Vous avez compris? C'est le principe. Donc, du coup, la Mishnah me dit, Shtaim Bailan va Chadbide Adam. S'il y en a deux poteaux qui sont soutenus par un arbre naturel, j'avais deux arbres en face de chez moi, j'ai placé mon sol, et puis pour bien équilibrer, je l'ai mis avec un jeté avec un autre poteau de côté, mais en tout cas, il y a deux poteaux qui sont de l'arbre. Ou bien, Oshtaim Bide Adam va Chadbailan. Mais il y en a deux poteaux qui ont été fixés par les hommes, donc c'est des poteaux en fer, des poteaux même en bois, mais qui sont coupés. Mais va Chadbailan, mais que d'un côté, c'est quand même soutenu, même d'un seul côté, c'est soutenu par l'arbre. La soukha elle est kshéra, mais seulement ve'en olinla be'yom tov, mais on ne rentrera pas dedans pendant yom tov. Entre parenthèses, on dit qu'on monte dans une soukha, c'est selon le principe qu'en général, Rachid explique, les soukhas de l'époque, ils construisaient en général sur le toit, donc c'est devenu l'expression « je monte dans la soukha », comme on monte en Israël, parce que c'est plus haut. D'accord? C'est devenu une expression pour nous dire « on rentre dans la soukha ». La Mishnah nous dit en tout cas, si ta soukha donc, qui est soutenue de deux côtés par l'arbre, ou bien même d'un côté par l'arbre, alors, par contre, si tu as chaloche bidé Adam, si tu as trois qui sont soutenus par des poteaux que toi-même tu as installés, même s'il y en a un quatrième, vers Achat Bailan, et un côté qui est soutenu par l'arbre, d'accord? Alors, la Mishnah me dit, elle kshera, et tu pourras monter dedans pendant Yom Tov. Je pense plus précisément qu'on ne parle pas en fait de poteaux, je pense qu'on parle plutôt en fait de murs. Il a construit des murs en dessous pour soutenir. C'est pour ça, parce que sinon c'est un peu compliqué, parce que trois murs, c'est toujours pas stable. J'ai du mal à imaginer que si c'est trois poteaux, c'est pas stable, ça couvre pas les quatre. On va se mettre de l'autre côté, et puis ça va, la soukha va basculer. Donc on aurait toujours besoin d'armes. C'est pour ça que je pense plutôt qu'en fait qu'on parle que le sol, il est soutenu en fait par des... C'est pas juste des poteaux, ça fait office de mur. Ça c'est large, il soutient le milieu de sa soukha, il est soutenu par ça. D'accord? Donc comme ça maintenant, si tu as... Avec trois, en fait, le Mishnah me dit, trois, ça suffit pour soutenir. Si parmi les trois, il faut que ce soit quelque chose qui soit coupé du sol pour pouvoir entrer dedans pendant Yom Tov, autrement tu n'auras pas le rentrer dedans. Mais c'est aklal, telle est la généralité, concrètement. Kol shenita la ilan veyichol alamod bifnatzma. Toute situation où, si tu retires l'arbre, la soukha continue à tenir debout, alors kshera, elle est bien sûr kasher, mais même mieux que ça, veolinla beyom tov, et tu pourras même rentrer dedans pendant Yom Tov, et parce qu'étant donné que la soukha, maintenant, peut-être qu'elle est aidée par l'arbre, c'est sûr que grâce à l'arbre, tu vas mieux pouvoir rester dedans et même faire danser dans ta soukha, même si tu veux sauter. Mais en tout cas, si concrètement ta soukha, elle est apte à tenir dessus, alors l'arbre, sa fonction, elle est négligeable. Et dans ce cas-là, elle est essentiellement soutenue par le reste. Et tu pourras donc rentrer dedans pendant Yom Tov. C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov, Selah.